Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte sur newsix.com. La pièce que nous vous présentons aujourd'hui est une figurine signée Michael Contraros Collectibles, Eternal Crusader, le croisé de l'éternel. Elle n'est pas encore disponible à la vente mais fait l'objet d'une campagne Indiegogo dont vous pourrez trouver l'adresse sur notre site. Nous avons eu la chance d'en obtenir une lors de la World Expo à Stresa sur le stand de Michael Contraros qui proposait quelques tirages en exclusivité. Sculpteur grec, il a créé sa marque il y a 3 ans. Sa dernière campagne Indiegogo, qui a rencontré un franc succès, a permis de financer le tirage de son tout nouveau buste, Goblin in Love, le gobelin amoureux. Mais revenons à cette figurine. Voici la boîte. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu quelques petits soucis à l'ouverture. En effet, l'illustration, saluons au passage la superbe peinture de Kyriakos Simos, est imprimé sur un papier plastifié et élastique qui a refusé de se laisser couper proprement avec une clé. Impatience quand tu nous tiens. Ce qui ne vous empêche pas d'apprécier le soin apporté au packaging de cette figurine. Il est en effet très rare de voir ce genre de boîte métallique, les marques préférant des blisters plastiques ou carton plus légers pour l'envoi. Vous aurez certainement remarqué que le concept de cette pièce est très largement inspiré des Space Marines, dits Templiers sombres, d'une très célèbre marque dont je ne citerai pas le nom. Voyons maintenant ce qui se cache dans cette jolie boîte. Tout d'abord, ce socle. Contrairement à beaucoup de figurines sur le marché, les pièces de Michael Contraros sont connues pour la qualité de leur socle. Celui-ci représente un bloc rocheux très réaliste. C'est un bloc de résine plein. Vous pouvez également voir les deux encoches qui permettent au corps du chevalier de tenir debout, sans colle. Comme ceci. La sculpture du corps de ce croisé est particulièrement impressionnante, de finesse et de justesse. Le moulage est presque parfait, pratiquement aucune coulure ou ligne de moulage. Admirez le réalisme de ce drapé, la finesse de la cordelette. La résine est tellement fine par endroits qu'elle en devient translucide. Par extension, elle est donc extrêmement fragile au niveau du bas de son tartan ou de ses genouillères par exemple. L'iconographie choisie se rapproche de celle des croisés médiévaux. Voyez par exemple les croix de Malte qui ornent son tartan. Elles sont en effet un célèbre emblème des ordres templiers. Passons maintenant aux autres pièces. Ici son bras droit. Vous pourrez constater que les pièces sont très simples à assembler. En effet, elles se posent tout naturellement à leur place. J'aime particulièrement les bandes de tissu reliées par des sous qui entourent son poignet. Même chose sur son bras gauche. C'est d'ailleurs sur celui-ci que l'on admire le mieux la sculpture des articulations de la main. Et sa tête. Voyez ici l'expression de son visage. La détermination du croisé y est très bien représentée. On peut y lire également sa droiture et sa conviction. Le tout servi par une barbe bien entretenue et une coupe viking. Vous pouvez aussi voir qu'avec cette figurine, il vous est fourni un fil de cuivre afin de figurer les câbles cérébraux qui relient son cerveau à son armure. Voici son épée. Ici aussi, les encoches et les détrompeurs vous permettent un assemblage ultra simple et garantissent la tenue des différents éléments de la figurine.
Elle a des dimensions impressionnantes, mais encore une fois réalistes pour une claymore. Nous terminerons sur cette arme de poing futuriste, très précise, avec un niveau de détail à la hauteur du reste de cette pièce. Il est juste dommage qu'il ne soit pas intégré à la figurine, mais destiné à être posé sur le socle. Enfin, les rouleaux de parchemin, qui ont la même épaisseur que le bas de son tartan, et sont donc relativement fragiles. Sur ce, je vous laisse profiter de cette superbe figurine. Elle est ici intégralement fixée à la pâte à fixe. Pas un seul point de colle ni tigeage. Confirmation de mes impressions concernant sa facilité d'assemblage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et à venir nous voir sur newsfix.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la boîte sur newsfix.com.